السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك من خلال هذا الفيديو هذا غادي نديرو تتمة ديال ليكزارسيس دابليكاسيون. الوغ وصلنا سيدي للكيستيون 3. دونك كيستيون 3 سي ديتيرميني. دونك نعاودو نشوفوها. دونك كيستيون 3 سيدي اش كتقول ليا؟ ديتيرميني لافونسمون دو لا رياكسيون ا ليكيليبر. اوكي سي تادير اكس فينال او بيان اكس فينال. دونك المطلوب هو اكس فينال. Alors pour déterminer x final, on va faire la constante d'équilibre. Donc k est égal à le quotient de réaction à l'équilibre. Alors k est égal à quoi? La concentration des les produits. Donc déjà de mille b1, on a deux serveurs, donc ailleurs. Donc la concentration de rg plus à l'équilibre, c'est-à-dire final. Fois la concentration de Fe2 plus final divisé par la concentration de Fe3 plus final. Très bien. Donc à partir du tableau d'avancement, chaque concentration, on a l'expression de là. Donc là, j'ai le tableau d'avancement et on dit la quantité de matière finale. Donc Fe3 plus la quantité de matière finale de là, il y a 10 puissance moins 2 moins x final. Ou Ag plus, il y a 2 fois 10 puissance moins 2 moins x final. Ou Fe2 plus, c'est un diffusion. Alors Ag plus, c'est ici, il y a 5 là, on a 5 fois 10 puissance moins 2. Plus x final, ce qui est 9 les produits, divisé par 0,5 le volume, fois 2 fois 10 puissance moins 2 plus x final divisé par 0,5 tout divisé par Fe3 plus l'ISID 10 puissance moins 2 moins x final divisé par 0,5. Ça fait donc simplifié, je suis donc 0,5 plus 0,5, on reprend un DSID, donc k est égal à 3,2, on va dire DSID, donc 5 fois 10 puissance moins 2 plus x final fois 2 fois 10 puissance moins 2 plus x final tout divisé par 10 puissance moins 2 moins x final. Ok, ça finit de l'ajout de la tarif de 3 7 et 7 et 6 et 9 sur 0,5. Ça fait 0,5 chez moi 0,5 je prends 0,5. Alors on a dit que la dna si 3,2 fois 0,5 fois 10 puissance moins 2 moins x final est égal à 5 fois 10 puissance moins 2 plus x final facteur 1 2 fois 10 puissance moins 2 plus x final, on va dire 2. Ok, donc simplification mathématique, donc je suis dit le calcul mathématique, on va dire le cas où donc c'est à vous de donc x final au carré plus 1,67 x final moins 1,5 moins 10 moins pardon fois 10 puissance moins 2 est égal à 0. Alors c'est une équation de deuxième degré. Pour le résoudre, on va déterminer delta. Donc delta, alors pour déterminer delta, on va déterminer les constantes a est égal à 1, b est égal à 1,67 c est égal à moins 1,5 fois 10 puissance moins 2 est égal à 0. Alors delta est égal c'est b au carré moins 4 fois ac. Alors tu as le de l'expression de là, delta est égal à 2,85. Alors delta c est supérieur à 0, alors il y a deux solutions. X final 1 est égal moins b, c'est à dire moins 1,60 moins delta lié 2,88 divisé par 2 fois a. Donc on dit qu'il est négatif, c'est donc impossible. Ok, alors xf2 est égal à cd 1 moins 1,67 plus racine carrée de 2,88 divisé par 2 fois 1. Donc calculer les décidés, b à peine 9,1 fois 10 puissance moins 3 moins. Alors, x final est là quand on a MCD, il y a xf2, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Okay.
Très bien. Donc, question 4. Donc, question 4 à 6, c'est d'améliorer les concentrations de toutes les espèces chimiques existant à l'équilibre. Alors, les espèces chimiques, qui sont les ions Ag+, maintenant on excès, alors il faut lire les ions Fe3+, Ag+ ou Fe2+. Ok? Donc, très facile. Alors, déjà, quand on a la concentration d'un chez ion, il y a la quantité de matière d'eau divisée par le volume. La concentration finale, alors on a dit la quantité de matière finale. Ou la quantité de matière finale qui est des tableaux d'avancement. Okay. Alors, on dit 3 ions, on a dit WCD. Donc, Fe3 plus final est égal à CD 10 puissance moins 2 moins X final divisé par 0,5. Sauf qu'on a donné X final de prime de là, on a dit 1,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Ok? Tiens, c'est dit, je suis bon, Ag plus final. C'est 5 fois 10 puissance moins 2 plus x final divisé par 0,5. Donc, nous avons obtenu x final de la valeur de là. On est bon. On dit que la concentration est 0,12 mol par lettre. Donc, on a ici la lettre. Et après, on a décidé Fe de plus. Alors la concentration de l'eau est 2 fois 10 puissance moins 2 plus x final divisé par 0,5 le volume. Donc nous avons obtenu de x final la valeur de l'eau. On va aussi dire la concentration est 5,82 fois 10 puissance moins 2 mol par lettre. Très bien.